On n'a pas seulement un chien, on a aussi, un lapin. On a dompté un lapin. C'est une première, je pense, au Québec. Je ne sais pas si c'est une première dans le monde, mais on a un lapin. Domestiqué. Domestiqué, on l'a appelé Bob, puis il répond, on l'appelle, puis il vient. Bob! Bob! Oui, Bob! Petit Bob! Allô, Bob! Ça vient d'où, les fous braques? Ben, devinez. Hein? Devinez. Ça, c'est, devinez. C'est un nom qui nous a été donné par des gens qui assistaient à notre spectacle. Ah, bon. À un moment donné, on travaillait sous notre nom, Jean Roy, Michel Lautier. Oui. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on a décidé de choisir un nom de spectacle. Alors, on faisait un brainstorming, ce qu'ils appellent une tempête mentale. Ah, bon? Pour découvrir le nom. Puis ce qui revenait tout le temps, on disait, qu'est-ce que les gens disent en sortant du spectacle? Les gens disaient toujours, vous êtes foubraque. Moses, que c'est foubraque, votre spectacle. C'est pas nous qui avons trouvé le nom, on a été baptisés les foubraques. Malgré nous autres, on n'a pas eu le choix. Michel, vous êtes dans le livre Guinness? Le livre des records Guinness, oui. J'ai couru pourquoi? Le marathon de Montréal en jonglant avec 3 balles. Et j'ai pas échappé une seule fois, ça c'est... 42,2 kilomètres. Sans échapper une balle une fois? Exactement. 26 000. Faut le faire. Beaucoup de concentration. Votre premier spectacle, ça date de? Oh boy! Fais-tu longtemps? Ensemble, nous autres, ça fait au moins une quinzaine d'années. C'est la première fois qu'on a fait un spectacle ensemble. Ouais. Mais on a toujours fait ça à temps partiel jusqu'à tout récemment. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'affiche encore en vedette à Montréal. Mais nous, on se reprend, n'est-ce pas? On est à la salle du milieu, là. Exactement. Il paraît que vous partez du centre du Québec pour aller au milieu de Montréal. Centre, le nombril du monde. Le Drummondville, le nombril du monde, c'est le centre du monde. Ah oui? OK. Pas juste le centre du Québec. Et là, vous allez à quel théâtre? Le théâtre Le Milieu. Le Milieu. Le Milieu. On commence, c'est samedi. Samedi, dimanche. Et dimanche, on est là pour 3 semaines, mais seulement les fins de semaine. Samedi, dimanche. Le dimanche, on est là l'après-midi. C'est exceptionnel, c'est nouveau. Ah bon? À 3 heures, ceux qui sont pris le soir, c'est le temps. Dimanche, c'est... Mm-hmm. Vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez être là, hein? Yes, sir. Ah bon, parce qu'il ne faut pas prendre de chance. Ben, nous autres, on ne sait jamais, hein? On n'a pas de trouble. OK. Est-ce que vous allez travailler avec votre lapin? Ça, c'est le lapin du magicien écœuré. Ah bon? Un magicien, là, qui fait des trucs, mais il est écœuré de sa carrière. C'est ça. Ah. C'est un magicien très, très quétaine. C'est ça. Pourquoi au juste... Ça, c'est nos pompes à bicycle. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de son? Est-ce que le micro vient chercher? On peut tourner ça? Bon, on va tourner le micro. On va l'entendre bing-bang, bon. Ouais. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a des demandes spéciales? Y a-t-il les gens qui pourraient nous suggérer des pièces musicales? Un air connu? Parlez-moi d'amour. Hey, laissez la Saint-Valentin. Il y en a qui disent parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. En venant de Rigaud. Allez-y. On va le jouer, nous autres. Excuse. Hein? En venant de Rigaud. Les gens, ils ont demandé en venant de Rigaud. Allez, faites ça vite. T'es pas dans le bon ton. Ouais. T'es pas dans le bon ton. C'est pas juste. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils vont s'accorder, mais j'ai l'impression que nous autres... Parlez-moi d'amour. Oui, on vous joue un petit... Parlez-moi d'amour. OK. OK? Mi, s'il vous plaît, mi. OK.